et Dieu va encore nous faire du bien. Hier, c'était fort. Vraiment, Dieu nous a bénis. Dieu nous a touchés. Celui qui n'était pas là a raté. Alors là, il a raté. Mais ce soir, Dieu nous accorde encore le privilège d'être en sa présence. C'est un privilège. Amen. Amen. Alléluia. Alors le thème de ce soir, c'est Jésus, le plan parfait pour ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, le plan parfait pour ma vie? Non, tu ne comprends pas. Ce n'est pas un plan quelconque. C'est Jésus, le plan parfait. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Jésus, le plan parfait. Pour qui? Pour qui? Alléluia. Jésus est le plan parfait. Les hommes ont des plans. Le diable a des plans. Mais Jésus est le plan des plans. Jésus est le plan par excellence. Alléluia. Nous allons lire dans une portion d'écriture, nous allons lire dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Est-ce que la com peut m'aider, s'il vous plaît? Genèse 1, versets 26 à 28. La Bible déclare, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » La suite du verset. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Nous voyons dans cette portion d'écriture que Dieu insiste sur deux éléments fondamentaux. Premièrement, nous voyons dans le verset 26, la Bible déclare que Dieu... Déjà avant le verset 26, nous avons l'étalage de la création de l'univers. Donc Dieu a fini de tout créer. Et au verset 26, c'était créé avant. L'homme est à l'image de Dieu. Ça veut dire que l'homme a une part de Dieu en lui. Je ne sais pas si tu comprends que tu as une part de Dieu en toi. Je ne sais pas si tu comprends. Est-ce qu'on peut dire ensemble, j'ai une part de Dieu en moi? Alléluia. Donc Dieu nous crée en mettant en nous une part de lui. Ça veut dire que nous sommes particuliers. Nous sommes privilégiés. Pourquoi il n'a pas créé les animaux comme lui? Mais il crée l'homme à son image. Ça veut dire que Dieu a une place de choix. Et ce soir, j'aimerais te dire que tu as une place de choix. Peu importe le nom qu'on t'a donné, si tu t'appelles Moussavou, si tu t'appelles Zimbi, sache que Dieu a quelque chose en toi. Amen. Il a mis quelque chose de lui en toi. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Ça veut dire que tu n'es pas un être à négliger. Si tu te négliges, sache que ce soir, tu dois changer de casquette parce que Dieu a une part de lui en toi. Amen. Nous allons lire dans Ésaïe. Nous allons lire dans Ésaïe 43, verset 4. La com. Ésaïe 43, verset 3. Ésaïe 43, verset 4, autant pour moi. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Regardez un peu ce verset. Dieu nous dit que nous avons du prix à ses yeux. Alors là, et qu'il donne même des hommes. Ah, quelle merveilleuse parole. Donc ici, nous voyons que déjà, Dieu a mis en nous une part de lui. Et nous ne sommes pas n'importe qui. Deuxièmement, dans la suite du verset,
Dieu, en créant l'homme, va lui donner quelque peu un impératif. Un impératif, c'est une sorte d'obligation. Dieu lui dit « dominer ». Dominer, c'est un impératif que Dieu donne à l'homme. Il dit de dominer sur toute la création. Ça sous-entend quoi? Nous entendons par dominer, déjà dominer, c'est un terme qui est dérivé de l'hébreu. En hébreu, ça veut dire rada. Rada veut dire régner. Ça veut dire être au-dessus. Je ne sais pas si tu comprends. Être au-dessus, ça veut dire que Dieu, en créant l'homme, lui a donné la possibilité, le pouvoir d'être au-dessus, de dominer, alléluia, de régner. Celui qui domine est souverain. Celui qui domine a une autorité supérieure à ceux qu'il domine. Amen. Ensuite, Dieu dit assujettissez. Assujettissez, ça veut dire que, le verbe assujettir, ça veut dire que la personne qui est assujettie doit rester sous la domination. Ça veut dire que non seulement on doit dominer, mais on doit rester dans cet état de domination. Et c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Amen. Tu dois dominer. Pourquoi te laisses-tu malmener par les situations de la vie? Pourquoi la maladie te domine-t-elle? Pourquoi le chômage veut finir avec ta vie? Pourquoi les sorciers sont en train de finir tes enfants alors que Dieu demande à ce que tu domines et que tu assujettisses? Amen. Amen. Alléluia. Et nous allons voir que cet assujettissement, malheureusement aujourd'hui, ne peut pas prendre forme parce que l'homme est loin de Dieu. Amen. Dans le jardin, c'est lorsque Dieu finit de tout créer qu'il crée Adam et Ève. Donc, pour qu'ils soient heureux, heureux dans le jardin. Et Dieu leur dit de dominer. Donc, tout est fait. Donc, logiquement, c'est dans le jardin que Adam et Ève doivent dominer. Mais nous allons nous rendre compte qu'il va se passer un drame. Dans le jardin d'Éden, donc après la chute, donc après le péché, on va se rendre compte que Dieu va chasser Adam du jardin. Nous allons lire dans Genèse 3, Genèse 3, à partir du verset 22. Genèse 3, à partir du verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchant-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Amen. Donc ici, on se rend compte que Dieu va chasser Adam du jardin. Or, c'est dans ce jardin que Adam était censé dominer. Mais s'il est chassé du jardin, où va-t-il dominer? Amen. Et cette image est l'image de beaucoup d'hommes aujourd'hui. Tu te dis que tu dois dominer sur les événements de cette vie. Tu te dis que tu es censé dominer, mais malheureusement, tu ne peux pas dominer. Pourquoi? Parce que tu es sorti du jardin. Et ce jardin représente quelque peu la connexion d'Adam avec Dieu. Avec le péché, Adam s'est détourné de Dieu. La connexion entre Adam et Ève s'est brisée. Et malheureusement, tout ce que Dieu avait prévu pour lui va aussi se briser. Voilà pourquoi tu ne peux pas dominer aujourd'hui. Parce que tu es loin de Dieu. Tu es loin de celui qui t'a créé. Tu ne peux pas dominer. Voilà pourquoi les situations de la vie te terrassent. Voilà pourquoi tu es malmené. Mais ce soir, gloire soit rendue à Dieu parce que nous allons récupérer ce qui nous revient de droit. Amen. Amen. Donc je disais tantôt que avec la chute, donc le péché, Adam ne peut pas dominer puisqu'il est chassé du jardin. Et Dieu ne prend pas plaisir au péché. C'est vrai qu'il aime le pécheur, mais il ne prend pas plaisir au péché. Parce que le jardin a quelque peu été souillé. Donc il fallait chasser Adam du jardin. Donc voilà qu'Adam est chassé et il ne peut pas dominer. Mais ce soir, laisse-moi te dire que tu peux encore dominer. Parce que en réalité, le plan divin ne s'est pas arrêté. Ce n'est pas parce qu'Adam a péché que Dieu s'est détourné de lui.
Heureusement pour nous, Dieu ne s'est pas détourné de nous parce qu'on a péché. Bien au contraire, Dieu est tellement amour. Alléluia! Et ce soir, il te dit, peu importe ce que tu as fait, même si je t'ai chassé du jardin, mais mon amour pour toi demeure intact. Il n'a pas changé. Amen! Voilà, donc nous allons nous rendre compte que heureusement pour l'homme, le plan divin est toujours d'actualité. Même si nous sommes pécheurs, même si les situations de la vie nous malmènent, mais Dieu a un plan divin. Amen. Voilà pourquoi Jésus est le plan divin. Amen. Et dans le Nouveau Testament, avec la venue de Christ, nous allons nous rendre compte que Dieu a donné son Fils unique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'amour que Dieu a envers l'homme. Un sacrifice aussi grand qui devient malheureusement une histoire, comme une fable, c'est comme un récit, c'est même comme un mythe. Les gens se demandent, est-ce que Jésus est réellement mort? Ce n'est pas un mythe. Jésus est réellement mort, ressuscité pour que tu domines encore aujourd'hui. Amen. Le plan divin ne s'est pas arrêté parce que tu as péché. Bien au contraire, Dieu t'aime malgré ton péché. Enfin, la vie de ton enfant, pour quoi que ce soit. Mais Dieu a fait ce sacrifice parce qu'il nous aime. Et il s'est dit, même si le diable nous a malmenés, parce que le diable nous malmène depuis le jardin d'Éden, il est là au commencement. Il ne cesse de malmener l'homme. Je ne sais pas si tu te rends compte. Tu penses que ce qui t'arrive est normal. Tu mets ça sur le coup du destin. Non, c'est mon destin. Non, nous voyons que dans la Bible, ton destin n'est pas d'être assujetti. Ton destin n'est pas d'être dominé. C'est toi qui dois dominer. Mais pourquoi te laisses-tu dominer? Pourquoi te laisses-tu assujetti? Tu n'es pas appelé à cette vie. Amen. Donc ce soir, il faut sortir de l'esclavage. Tu n'es pas né pour être esclave. Tu n'es pas né pour être dominé. C'est plutôt toi qui dois dominer sur les circonstances. Amen. La vie de tes enfants en dépend. La vie de ta famille en dépend. Même la vie de ce pays. Amen. Parce que si nous sommes assujettis, mais c'est grave, qu'allons-nous laisser à nos enfants? Quel héritage? Mais cette chaîne de malédiction, cette chaîne d'assujettissement va malheureusement continuer. Mais ce soir, nous refusons, nous allons refuser d'être assujettis parce que Dieu a payé le fardeau. Il a payé le lourd tribut pour que nous soyons délivrés. Amen. Donc ce soir, refuse cet état d'esclave. Tu n'es pas un esclave, tu es un maître. Pourquoi le maître va-t-il se comporter en esclave? Pourquoi le maître va-t-il se comporter en esclave? Pourquoi ce sont les chameaux qui doivent prendre nos places alors que c'est nous qui devons logiquement dominer? Amen. Donc ce soir, refuse d'être malmené. Refuse d'être ballotté par le péché, par la sorcellerie. Amen. Je vais faire une petite, je vais donner un petit exemple. Regardez un peu. Dieu nous dit dans le jardin d'Éden que c'est nous qui devons logiquement dominer sur les éléments de la nature. Mais regardez comment l'homme est réduit à rien. Pour une promotion, tu vas aller égorger un poulet. Est-ce que c'est le poulet qui va te donner la promotion? Sachant que Dieu a dit que c'est toi qui dois dominer. Comment se fait-il que tu mets ta confiance au poulet, au mouton? C'est inadmissible. C'est incompréhensible. Mais ce soir, les choses doivent changer. Amen. Plus de sacrifices d'animaux. Parce que logiquement, ces animaux-là, on doit les manger. On n'est pas censé faire des sacrifices. Amen. On doit tout manger parce que Dieu nous a donné. Il nous a mandaté pour les manger, pour dominer, pour les assujettir. Amen. Alléluia. Donc je disais que le plan divin ne s'est pas arrêté parce que l'homme a péché. Dieu est le péché, c'est vrai, mais il aime tellement le pécheur. Et ce soir, Dieu te dit encore que je te connais. Je te rappelle que je te connais. Ne pense pas que tu es caché aux yeux de Dieu. Il te connaît. Amen.
Dans Jérémie 1, verset 5, la Bible déclare que avant que tu ne sois formé, non, j'aime cette parole, avant que tu ne sois formé, je ne sais pas si on réalise la portée de cette parole. Ça veut dire qu'on n'était même pas encore des fœtus. On n'était pas des embryons. On n'était même pas en projection. Dieu te connaissait déjà. N'est-ce pas formidable? Dieu te connaissait déjà. Donc, ça ne sert à rien de dire que tu es un hasard. Si je suis dans ce monde, c'est le pur hasard. Ce n'est pas un hasard. Ta venue sur cette terre n'est pas hasardeuse. Dieu savait pourquoi il t'a fait venir sur cette terre. Ta venue sur cette terre n'est pas une erreur de la nature. Non, Dieu ne se trompe pas. Amen. Un penseur pouvait dire que l'homme a été jeté. Jeté carrément, comme une ordure. Moi, je refuse cette philosophie-là. Nous ne sommes pas jetés parce que la Bible dit quoi? Avant que nous soyons formés, Dieu nous connaissait déjà. Donc, ça veut dire que ça ne sert à rien de nous faire croire à des hérésies, parce que ce sont des hérésies. Parfois, on se prend même la tête avec ces pensées. Elles ne servent à rien. Elles ne valent rien. Dieu dit qu'il te connaissait. Il te connaît. Il te connaissait. Il te connaît. Et il te connaîtra toujours. Parce qu'en réalité, c'est lui qui t'a créé. Il a la notice. Il a le mode d'emploi. Il connaît tout de ta vie. Rien n'est caché devant Dieu. Amen. La Bible déclare que même les cheveux, alléluia, même les cheveux qui sont sur nos têtes, qui connaît le nombre de cheveux sur sa tête? Mais Dieu, alléluia, quel merveilleux sauveur nous avons. Il connaît même les cheveux qui sont sur nos têtes. C'est pour dire que l'amour de Dieu est tellement incommensurable. On ne peut pas mesurer cet amour. On ne peut pas. On ne peut même pas le comprendre. Vous essayez de comprendre comment on peut aimer le pécheur. Déjà, entre nous les hommes, c'est souvent difficile de se pardonner. Tu as pardonné une fois, tu te dis, bon, si la prochaine fois elle refait la même chose, je la laisse comme ça. Mais Dieu est tout le temps en train de pardonner. Il est tout le temps en train de comprendre. Il est tout le temps en train d'essayer de voir. Non, si aujourd'hui Vanessa a fait ça, c'est parce qu'il est tout le temps en train de comprendre. Parce que cet amour ne tient pas compte de nos infirmités. Cet amour ne tient pas compte de nos infidélités. Alors là, sinon, personne n'allait vivre sur cette terre. Donc ce soir, laisse-moi te dire, peu importe si le diable te traite de voleur, il te traite de menteur, il te traite de violeur, peu importe. Dieu dit ce soir qu'il t'aime. Alléluia! Dieu t'aime et c'est suffisant. Et c'est suffisant. Parfois, nous voulons tellement quémander l'amour des hommes que finalement, on se fait du mal. On se fait du mal. Parfois, cet amour est même hypocrite. On te dit qu'on t'aime des lèvres, mais dans le cœur. Amen! Vous voyez un peu ces vagues d'empoisonnement. Mais qui empoisonne qui? Parfois, ce sont des proches. Qui prétend t'aimer, mais qui derrière ton dos te poignarde. Mais ce soir, Jésus n'est pas venu pour te poignarder. Bien au contraire, il est venu pour réconcilier le Père avec le Fils. Parce qu'en réalité, c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Parce que la relation entre le Père et le Fils a été brisée. Avec le péché, l'homme s'est séparé de Dieu. La connexion s'est brisée. Il y a eu rupture. Et Dieu dit ce soir, il n'est pas trop tard pour que tu viennes vers moi parce que je suis ton Père. Amen. Je suis ton Père. Je suis là parce que j'ai besoin de toi. Même si tu es reparti, mais reviens à la maison ce soir. Amen. C'est comme un enfant qui est à la maison et qui décide de partir. Imaginez-vous le chagrin des parents. Cet enfant s'en va loin de ses parents. Les parents ne savent pas à quel saint se vouer. Mais c'est la même chose avec l'homme. Où veux-tu aller loin de Dieu? Penses même-tu que tu vas avancer sans Dieu? Ce n'est pas possible. On a vu dans Genèse que c'est Dieu qui nous crée à son image. C'est bon? Donc ça sous-entend que logiquement, l'homme n'est pas censé être loin de Dieu. Nous sommes nés pour être toujours déjà avec lui.
C'est ça notre raison d'être. Donc celui qui est loin de Dieu ce soir, Dieu t'appelle. Il te dit, reviens mon enfant, reviens dans la bergerie, car je suis le berger, pas seulement le berger, le bon berger. Parce que si tu es hors de la bergerie, malheureusement pour toi, il y a des loups dehors. Il y a des loups et tu es à la merci de tous ces loups. Et c'est la vie de l'homme loin de Dieu. L'homme est à la merci des vices. Il est à la merci du péché parce qu'il est loin de Dieu. Et ce soir, Dieu te dit, j'ai besoin qu'une réconciliation se fasse. Ce n'est pas possible que tu partes de ce lieu comme tu es rentré. Il doit avoir une réconciliation. Reconsidère tes voies parce que malheureusement, la vie ne nous appartient pas. Et l'homme est tellement orgueilleux, je ne sais pas pourquoi nous sommes si orgueilleux que ça. Un corps dont tu n'as fait aucun effort, aucun effort. Nous n'avons pas fait d'effort pour être sur la terre. Le souffle de vie, nous ne faisons pas d'effort. Les organes qui constituent notre corps, nous ne faisons aucun effort. Mais où voulons-nous aller sans Jésus? Je ne comprends pas. Où veux-tu aller sans Dieu? Alors que tout ce que tu as vient de lui. Non, ce n'est pas logique. Pas logique. Je ne peux pas passer toute ma vie à prendre soin d'un enfant et plus tard, cet enfant me tourne le dos. Quelle trahison! Quelle trahison! Et c'est ce que l'homme fait malheureusement à Dieu. Dieu se sent trahi. Dieu se sent poignardé. Même s'il est Dieu, même s'il est saint, mais il a mal de voir que son enfant, pour qui il a payé le prix fort, soit loin de lui. Donc ce soir, c'est le soir de la réconciliation. C'est le soir où Jésus doit être ton plan parfait. Tu dois décider de revenir à Christ parce que tu ne peux pas vivre sans lui. Jésus, ce n'est pas une affaire de « j'ai beaucoup d'argent, j'ai pas besoin de lui aujourd'hui. Je suis intelligent, j'ai pas besoin de lui aujourd'hui. » Mais malheureusement pour toi, tout ce que tu as, que ce soit l'intelligence, que ce soit la richesse, tout ce que tu as te vient de Dieu. Qu'est-ce que tu n'aies reçu? Parce que tu n'es que poussière, malheureusement. Et tout ce que tu as comme attribut, que ce soit physique, que ce soit matériel, que ce soit spirituel, c'est Dieu. Il en est l'auteur et il réclame quelque peu sa paternité. Et bon, c'est un père qui veut reconnaître son enfant. Mais un enfant qui ne veut pas se laisser reconnaître. Je n'ai pas encore entendu ce genre d'histoire. Que tu cherches ton père pendant tant d'années, ou du moins c'est le père qui cherche l'enfant. Et finalement, quand il retrouve l'enfant, l'enfant dit non, je refuse que tu sois mon père. C'est ce que nous faisons à Dieu. Dieu nous dit, viens, viens, je suis ton père. Nous les hommes, nous disons non, pas maintenant, reviens. Quand je serai plus vieux, tu reviendras. Dieu te dit encore, viens. Et malheureusement pour certains, la mort les a trouvés dans cet état. Et ce soir, ne permet pas, parce que c'est en réalité ça le plan de l'ennemi. Le diable n'aime pas quand on est proche du Père, parce qu'il sait qu'auprès du Père, on a tout à gagner. On a tout à gagner auprès du Père. Il ne veut pas que l'homme soit auprès du Père. Parce que dans le jardin, Adam pouvait dominer. Il a fallu qu'il séduise Adam pour qu'Adam soit chassé. Donc, une personne comme ça, tu continues à entretenir des relations d'amitié avec lui. Non, c'est faux. Ce soir, ça doit s'arrêter. Dis Satan, je ne veux plus de toi dans ma vie. Est-ce que quelqu'un de révolté peut dire Satan, je ne veux plus de toi dans ma vie? C'est la façon dont tu prononces ces paroles-là qu'il y aura un miracle. Allez, Satan, je ne veux plus de toi dans ma vie. Je suis un enfant de Dieu. Et je suis né pour dominer. Je suis né pour assujettir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai un témoignage à rendre. Quand j'étais un peu plus jeune, c'est vraiment un témoignage vraiment douloureux. Malheureusement, c'est le témoignage par lequel Dieu est passé pour changer ma vie. Donc, quand j'étais un peu plus jeune,
J'avais entre 7 et 8 ans. Et ma mère devait se déplacer pour un pays étranger. Et elle n'avait personne à qui me confier. Et elle a pu trouver une dame. Vraiment, je bénis Dieu pour la vie de cette dame qui m'a gardée comme sa propre fille. Vraiment, ce n'est pas donné d'élever un enfant qui n'est pas le tien comme étant ton enfant. Donc, cette femme m'a gardée comme étant sa propre fille. Mais elle avait une petite sœur qui restait dans la même maison que nous. Et cette dame avait des problèmes de fécondité, donc elle n'arrivait pas à faire des enfants. Et je pense qu'elle était un peu aigrie, voilà, de ne pas pouvoir faire des enfants. Et à chaque fois, parce que cette maman qui m'a gardée avait une fille, voilà, moins âgée que moi, donc moi j'étais logiquement la plus grande. Et à chaque fois, cette femme me proférait des mauvaises paroles. Et c'était vraiment pas des... c'était même pas des paroles du genre « tu es bête », parce que ça encore on peut digérer. Mais c'était vraiment des paroles qui touchaient à mon avenir. Elle me disait que je n'allais rien faire dans ma vie. Et une fois, elle est allée jusqu'à me dire que je ferais vite les enfants. Donc imaginez-vous ce genre de paroles. Donc tout le temps, elle me disait que je n'allais rien faire dans ma vie, que je n'étais rien, voilà. Je n'étais rien. Et je vous assure que ces paroles m'ont brisé toute mon enfance. Parce que pour moi, parce que c'est ce que j'écoutais tous les jours. Tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Tu ne feras rien. C'était ça, toute ma vie. Et pourtant, j'étais brillante à l'école, mais ces paroles avaient une influence sur ma vie. Parce que c'est ce que j'écoutais au quotidien. Laisse-moi te dire que ce que tu écoutes, du moins ce que le diable te fait écouter, a une influence sur ta vie. Et tous les jours, elle me le disait, tu ne feras rien, tu ne seras rien, tu n'iras pas loin. Et à un moment donné, je me suis dit que sûrement elle a raison. Et ces paroles ont nourri mon enfance, ont bercé mon enfance, bien que ces paroles étaient des paroles, je dis, des paroles sataniques. Parce qu'on ne peut pas proférer ce genre de paroles à un enfant. Ce n'est pas possible. Un enfant ne peut pas vivre dans une atmosphère où tout le temps, on lui dit qu'il ne sert à rien. On lui dit... Et ça avait développé en moi un esprit de suicide. Donc, je voulais mettre fin à mes jours parce que je me suis dit, bon, si je ne sers à rien, à quoi ça sert que je mange encore leur nourriture? À quoi ça sert qu'on dépense encore de l'argent sur moi? Et... À un moment donné, j'étais tentée d'appeler ma mère pour lui dire que ici ça ne va pas. Mais je me suis dit, certainement on va me traiter d'enfant ingrat. Parce que ta mère n'est pas là, on te garde, on te nourrit, on te loge. Donc mieux tu supportes. C'est ce que le diable fait avec toi. Il te fait croire que ce que tu vis là, tu peux supporter. Du moins c'est normal, c'est ta destinée. Tu as été destinée à ne rien faire. Non, ce soir, dis à Satan que ma vie n'est pas une vie de rien-neux. Dieu m'a mandaté pour dominer. Amen. Dieu m'a mandaté pour assujettir. Amen. Donc, je disais que ces paroles ont nourri vraiment des complexes d'infériorité. Parce que moi, avant, non, c'est pas possible. Dans la foule, comme ça, vous allez me voir. J'étais toujours cachée. Mais pourquoi me faire voir alors que je ne sers à rien? Pourquoi je vais me faire voir alors que ma vie ne sert à rien? Et c'était ça. Et je disais que je ne l'avais pas dit à ma mère. Et lorsque ma mère est revenue me chercher, on était même déjà rentrés à la maison et je lui ai fait part de la situation. Alors là, elle n'a pas digéré. Et elle s'est même remise en question parce qu'elle s'est dit, comment j'ai pu faire subir ça à mon enfant? Et laisse-moi te dire que tant que tu ne prendras pas la décision de renoncer à ce que le diable décide de faire de ta vie, Dieu ne fera rien. Dieu ne fera rien. C'est à toi de décider. Du moins, si tu fermes la bouche comme j'ai fermé la bouche, tu vas subir. J'ai subi combien d'années à entendre ces paroles méchantes, à entendre ces paroles qui m'ont brisé, à faire de moi une personne inférieure aux autres. Ce soir, n'accepte pas les paroles de l'ennemi.
Parce qu'en réalité, c'est son plan. Il veut te déstabiliser, te faire croire que tu ne vaux rien. Alors que la Bible dit que tu es né pour dominer. Tu es né pour assujettir. Pourquoi il te fait croire que tu ne sers à rien? Que tu es né pour accompagner les autres. On va encore faire... Non, c'est pas on va encore faire comment. On va assujettir l'ennemi. Amen. On est né pour assujettir le diable. On est né pour assujettir le péché. Ce n'est pas logique qu'on soit dominé, bien aimé. Ce n'est pas logique. Regardez un peu dans les familles. De nos jours, ce sont les jeunes qui meurent. Pourquoi? Parce que le diable est assujetti. Alors que logiquement, c'est nous qui sommes censés assujettir. Et ce soir, la vie de ta famille en dépend. La vie de tes enfants. Vas-tu continuer l'ennemi te malmener ainsi? Vas-tu continuer de laisser le diable se jouer de toi? Il te balade comme un jouet. Aujourd'hui, tu es malade. Quand tu vas à l'hôpital, on te dit qu'on a découvert telle maladie. Le lendemain, tu repars, on te dit non, finalement, ce qu'on a découvert aujourd'hui, ce n'était pas ça. Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est pire que ce qu'on a découvert hier. Mais c'est l'ennemi qui te malmène par tout vent de marée. C'est l'ennemi qui te fait croire que ta vie est une vie d'échec. Pourquoi? Pourquoi échouer alors que Dieu nous dit que nous sommes nés pour assujettir? Amen. Ce soir, toi qui es loin de Dieu, sache que tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Parce que tu seras le jouet du diable. Tu seras à sa merci. Amen. Tu seras à sa merci. Tu seras un deuxième Adam. Parce que tu es un premier Adam, parce que tu pèches. Mais un deuxième Adam parce que tu subis les pressions de l'ennemi. Donc ce soir, décide de sortir des griffes de Satan. Parce qu'il ne nous aime pas. Le diable ne nous a jamais aimés. Et sortons des clichés selon lesquels si telle ou telle chose m'arrive, c'est parce que Dieu... Non, Dieu n'a pas décidé ça. Hein? On a lu dans la Bible que Dieu nous a appelés à la domination. Ce qui t'arrive de mauvais, là, c'est l'ennemi. Ce n'est pas Dieu. Amen. C'est parce que tu t'es séparé d'avec le Père que l'ennemi te malmène. Que l'ennemi t'oppresse. Il oppresse tes enfants. Il oppresse ta famille. Même au travail, tu sembles être un peu épanoui. Non, après, ça ne va pas. C'est toi qu'on accuse. Se soucier de nos enfants. À combien plus forte raison Dieu, le Père, celui qui nous a créés, celui qui connaît le nombre d'organes, le nombre de cheveux, à combien plus forte raison son cœur est meurtri lorsqu'il te voit dans les hôpitaux dépenser ton argent alors que tu es censé t'épanouir avec cet argent. Lorsqu'il te voit ballotté par tout vent de marée. Lorsqu'il, dans les familles, les personnes meurent jeunes alors que logiquement, elles n'ont pas été destinées à cela. Ce soir, c'est le soir de la réconciliation. Amen. Décide de changer de camp. Décide de laisser Dieu orienter ta vie. Sinon, tu cours à ta perte. Tu cours à ta perte. Ça ne sert à rien de lutter. Ça ne sert à rien de dire que je n'ai pas besoin de Jésus. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Mais tout ce dont tu as besoin, tu peux tout perdre en un instant. Amen. Tu peux tout perdre. Sur quoi tu comptes? Alors qu'en Jésus, nous avons tout. Tout, tout, tout. Je dis bien tout. Il est celui qui donne la vie, la paix, l'âge, tout. Amen. Jésus donne tout. Comme le chant, Jésus donne tout cadeau. Non, Jésus ne donne pas tout cadeau parce qu'il attend ton concours. Il ne te donne pas comme ça. Il attend que tu viennes vers lui. Amen. Ce soir, que l'ennemi arrête de te malmener, de te balloter. Tu n'es pas un ballon. Amen. Tu n'es pas un ballon, tu es fait à l'image de Dieu. Et si tu es fait à l'image de Dieu, ça veut dire que tu ressembles au Père. Mais celui qui ressemble au Père ne peut pas être malmené. Dieu, en un instant, il fait disparaître la terre. En un instant, il fait disparaître la mer. Mais toi, ce sont les circonstances qui te font disparaître. Ce sont les circonstances qui te font perdre la tête, la face. Parce que malheureusement, tu ne veux pas revenir au Père. Ce soir, un appel t'est lancé. Ce soir,
Jésus a besoin de ta vie. Amen. Ça ne sert à rien de raisonner. Je disais que l'homme est tellement orgueilleux pour reconnaître même qu'il est, qu'il a besoin d'un autre. Ce soir, l'orgueil doit tomber et l'on doit reconnaître que Dieu est le seul dont on a besoin. On n'a pas besoin d'autre chose. Les autres choses viennent en supplément. Mais ce dont l'homme a besoin, premièrement, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le Créateur. Si tu t'éloignes du Créateur, mais toi la créature, comment vas-tu survivre? Comment vas-tu survivre dans ce monde méchant, dans ce monde où l'ennemi fait rage? Ce soir, un appel t'est lancé. Décide de donner ta vie à Jésus. Décide de laisser Jésus gouverner ta vie. Amen. Ensuite, tu pourras dominer. Parce que tant que tu n'es pas avec lui, tu ne peux malheureusement pas dominer. Ce sont les circonstances qui vont dominer sur toi. Ce soir, un appel t'est lancé. Ce soir, décide de te reconnecter à la source intarissable. Amen. Décide d'abandonner tes mauvaises voies. Je disais que Dieu ne regarde pas ce que tu as fait. Parce que Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Mais ce soir, il n'a pas besoin de ton péché. Il a besoin de toi en tant que pécheur. Parce que c'est le pécheur qui l'accepte. Amen. Son sang a coulé justement pour que tu sois racheté. Donc ça ne sert à rien de dire que je suis pécheur. Qu'est-ce que Dieu dira de moi? Non, il sait tout de toi. Rien n'est caché devant sa face. Il sait. C'est lui qui avait programmé ces moments d'avance. Amen. Rien n'est un hasard dans la maison du Seigneur. Celui qui sait qu'il a besoin de Jésus, celui qui sait qu'il a besoin de se reconnecter à la source, alléluia, peut lever sa main. Celui qui sent que la vie est tellement triste pour lui, alors que logiquement il est censé dominer, logiquement il est censé vivre dans la quiétude, dans la paix, mais il est malmené. Il est malmené. Alléluia. Ce soir, tu décides de ne plus être malmené. Amen. Ce soir, décide de ne plus te laisser malmener par l'ennemi. Alors ceux qui pensent que Jésus est la solution, ceux qui pensent qu'ils doivent revenir dans la bergerie, levez les doigts. Nous allons s'en prier. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Ceux qui ont besoin de Jésus comme le plan parfait. Ceux qui ont besoin de Jésus comme plan parfait. Ce soir, nous allons prier. Ensuite, appelez le Seigneur afin que la domination soit votre partage. Ceux qui ont levé les doigts, vous pouvez avancer devant. Nous allons prier. Toi qui es resté assis, n'aie pas peur parce que Jésus est la solution. Amen. Alléluia. J'invite maman Diane, on va prier. J'invite les mamans. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin que Jésus soit ton maître. Tu as besoin que Jésus soit aux commandes de ta vie. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tu n'as pas besoin de Jésus. Nous allons prier. Tu vas répéter après moi, mon frère. Tu répètes après moi la prière. Seigneur Jésus, je te dis merci. J'ai compris ta parole. Que sans toi, je ne suis rien. Que sans toi, je ne suis rien. Je me suis éloigné de toi. Tu as vu ma vie, Seigneur. J'ai péché. Et je reconnais avoir péché.
Seigneur, je te demande pardon. Lave mon cœur. Lave mon cœur par ton sang. Seigneur Jésus, rentre en moi et que ton Esprit Saint fait ton œuvre. Merci Seigneur, que la gloire te revienne. Amen. Nous allons prier pour le frère. Nous allons prier. Seigneur, je te dis merci parce que tu dis dans ta parole, lorsqu'un pécheur se repent, il y a la joie au ciel. En ce moment, il y a une grande joie au ciel. Il y a la fête, Seigneur. La fête, parce qu'une âme s'est donnée à toi. Merci pour le sacrifice de la croix. Je te prie au nom de Jésus, Seigneur, d'intervenir puissamment dans sa vie. Que la puissance du Saint-Esprit tombe sur lui, au nom puissant de Jésus, et que sa vie soit libérée complètement. Seigneur, nous délions tout ce qui n'est pas de toi dans sa vie. Nous paralysons les œuvres des ténèbres. Seigneur, que toute forme de réclamation se taise maintenant dans sa vie. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu de gloire. Merci pour la puissance du Saint-Esprit qui agit maintenant, qui soit baptisé de feu et de puissance de cet instant. Merci Seigneur pour la puissance de la croix. Merci Seigneur parce que tu le relèves. Merci parce que tu l'as sanctifié. À toi la gloire et l'honneur. Amen. Je vais lancer un autre appel. Cet appel, c'est celui des personnes qui se sont malmenées. Alors là, malmenées. Tu ne sais même pas à quel saint te vouer. Tu déposes des dossiers, ça ne marche pas. Tu fais X commerce, ça ne marche pas. Alors ce soir, avance. Dieu dit que tu dois dominer. Il n'est pas question que tu restes dans le statu quo. Il n'est pas question que tu continues à tourner en rond. Parce que tu dois dominer. Parce que tu dois assujettir. Alors ceux qui veulent qu'on prie pour eux, avancez-vous, on va prier ce soir. Parce que les chaînes de l'assujettissement, les chaînes de la domination doivent tomber. Au nom de Jésus. Alléluia. Tout ce qui a été brisé, tout ce qui a été rompu, qui empêche à ce que tes enfants, notre Dieu, puissent aller de l'avant, soit brisé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous assujettissons toutes les œuvres des ténèbres. Toutes les œuvres des ténèbres, nous renvoyons dans les lieux arides tous les plans de l'ennemi. Seigneur, nous sommes nés pour assujettir. Nous sommes nés pour dominer. Nous sommes nés pour conquérir. Nous sommes nés pour conquérir notre Dieu. Alléluia. Que les écluses des cieux s'ouvrent. Que les écluses des cieux s'ouvrent. Et que ta pluie descende. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu connais, Seigneur, leur souci. Jésus de Nazareth, nous t'en supplions, ta Jésus. Ta puissance et ton autorité se saisissent de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Manifeste-toi, Père. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout esprit d'assujettissement, tout esprit impur soit chassé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ton plan s'accomplisse dans la vie de ces âmes, dans la vie de ces âmes, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu touches, au nom de Jésus, que tu les guérisses maintenant. Tu connais le souci qu'elles ont. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta main manifeste-toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur, agis, agis, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que tout esprit ne glorifiant pas ton nom soit chassé, soit rompu, soit vaincu dans le nom de Jésus, qu'elle soit renouvelée, qu'elle soit renouvelée,
qu'elles dominent maintenant sur leur vie. Seigneur, que tu prennes autorité sur leur vie maintenant. Au nom de Jésus, que tu prennes autorité maintenant sur leur vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous envoyons le feu sur elle. Nous envoyons le feu sur elle. Que ton feu descende. Seigneur, maintenant, elle t'accepte dans leur vie comme sauveur et Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. 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 Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ton feu, Seigneur. Ton feu, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle prend le pas, Seigneur, de venir à toi. Elle soit le pas, Seigneur, de t'accepter, Seigneur. Tu connais la situation qui les perdue. Tu connais la situation qui les tourmente. Tu connais la situation dans laquelle elles sont. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton feu, Seigneur. Ton feu, Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Seigneur, touche. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu sur elle. Le feu sur ses âmes. Au nom du sang de Jésus. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. 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 Agis puissamment, cet esprit. Agis puissamment, cet esprit. Agis puissamment, cet esprit. Agis puissamment, cet esprit. Au nom du sang de Jésus. Au nom du sang de Jésus. Au nom du sang de Jésus. Viens agir, Seigneur. Viens agir, Père éternel. Viens agir, Père éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu restaures. Merci parce que tu restaures. À toi la gloire, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons nous lever un instant et nous allons faire ces proclamations. Alléluia. Parce qu'il n'est pas Alléluia. Normal Alléluia. Que nous soyons Alléluia. Que Alléluia. Alléluia. Que nous soyons Alléluia. Au même niveau. Oh, nous allons proclamer ce soir Alléluia. Que nous sommes nés pour dominer. Alléluia. Nous sommes nés pour régner. Alléluia. Nous sommes nés pour assujettir. Alléluia. Nous allons faire ces proclamations. Je suis né pour régner. Je suis né pour régner. Je suis né pour assujettir. Je suis né pour assujettir. Je suis né pour dominer. Je suis né pour dominer. Alors que tout ce qui est devant moi qui fait obstacle. Que tout ce qui est devant moi qui fait obstacle. À cette parole soit chassé. À cette parole soit chassé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher Alléluia. Sur les serpents et Alléluia. Les scorpions. Ce n'est pas Alléluia. Logique que nous soyons malmenés. Alléluia. Alléluia. Nous Alléluia. Allons dire ensemble, je Alléluia. Refuse d'être malmené. Je refuse d'être malmené. Je refuse d'être ballotté par. Je refuse d'être ballotté par. Je refuse. Je refuse. Araba, je prends possession de ce qui est à moi. Je prends possession de ce qui est à je moi. Je prends possession de ce qui m'appartient. Je prends possession de ce qui m'appartient. Prends possession de ce qui me revient de droit. Prends possession de ce qui me revient de droit. Parce que Jésus. Parce que Jésus est mort à la croix. Est mort à la croix. Pour que j'aie part à l'héritage des saints. Pour que j'aie part à l'héritage des saints. Alors je récupère ce qui est à moi. Alors je récupère ce qui je est à moi. Je récupère ce qui est à moi. Je récupère ce qui est à moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer, Alléluia. Acclamer? Toi, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Amen. Alors désormais, ne marche plus comme un résigné. Ne marche plus comme un laissé pour compte. Parce que Dieu a tout accompli. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer, acclamer, acclamer? Utiliser sa servante ce soir. Alléluia, sois béni notre Dieu, sois acclamé Seigneur. Alléluia. Amen. Alors nous sommes bénis ce soir parce que Dieu nous a parlé, Dieu nous a fait du bien. Amen. Ce que je retiens ce soir, c'est que nous sommes nés pour dominer.
Alors ce soir, moi, je refuse d'être malmenée. À partir de ce soir, je retiens que c'est moi qui domine. Personne ne me domine. Amen.